Rated M for mature. Voilà l'endroit. Pourquoi la Frenière s'y intéressait tant? Emmenez-le là-haut, vite! La touche, mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas? Une minute. Vous êtes vrai patriote!
Non, vous n'avez pas le droit. Si tu te fais prendre, n'espère aucune clémence autour. La tyrannie a inventé les crimes de lèse-majesté. Qui étaient des actions indifférentes, évidemment héroïques. Qui eût osé penser qu'elle pouvait mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté. Mais... Combien de temps faudra-t-il encore patienter? D'autres affirmations. L'ignorant fait preuve d'un peu de patience. Le grand maître tient à ce que les politiciens soient lèse-majesté divine. Allons-nous enfin dont il conçoit son délice de venger Dieu lui-même. Ça ne me plaît pas. Notre plan est encore trop fragile. Et n'oublions pas que la première est toujours aussi impatiente de nous envoyer au bûcher. Vous n'avez pas appris la nouvelle? Quelle nouvelle? La première est morte. La peine de mort est nécessaire, disent les partisans de l'antique barbare. C'est l'avantage d'elle, ils n'aient point de frein à ces puissants. Parlez-leur d'un complot templier, et ils chercheront pas à en savoir. Ils viendront sans poser de questions. Les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine. Et là, allez, allons chercher avant la mort, avant combien de douleurs physiques et morales l'homme ne peut pas endurer. Le désir de vivre cède à l'orgueil, la plus impérieuse de toutes les passions qui maîtrisent le cœur de l'homme. La plus terrible de toutes les peines pour l'homme social, c'est l'opprobre. C'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Quand le législateur se frappe, vous pourriez en avoir quelque chose. Par des temps qui courent. Je sais que les mots... C'est pire en pire chaque jour, ça devient insensé. Plaît-il ? Ouais, du Luxembourg. Tu vois quand tu veux. Oui, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouine, les gars. Des hommes partout. Ils savent faire taire les bons samaritains. Vaudrait mieux. Le grand maître sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Le grand œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes? Un tueur, une lame, un couloir sombre? Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience.
Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Siver et le roi des Thunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. Et la fille de Delacer ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire. Élise ! Habile, grand maître. Et vous avez eu affaire aux assassins. Quant à moi, je serai au contraire pour y attendre la phase finale. Arrêtez-le! C'est un espion du roi! Il y a un espion par ici! Surveillez les issues! L'espion va tenter de s'échapper! Une espèce de jeu. On va vous exterminer! Rattrapez-le! Où était-ce ? L'hôtel voisin. Diable ! Étrange manière. Thank you.
N'êtes-vous pas convaincu? Je trouve votre présence assez importune, citoyen. Où est monsieur Lafrenière? Il est mort. Quoi? Va, je t'expliquerai. Lui, on va devoir le combattre. On y va? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus certaine de savoir où est la sortie. Je vais grimper, jeter un coup d'œil. Ne les laissez pas s'enfuir! Comment va-t-on sortir d'ici? Allez, ils sont pas loin! Reconnais-le. Faut-il aller? Diable! Encore un cul-de-sac! On n'y voit rien là-dedans! Bon sang! Comment on sort d'ici? Ils doivent bien être quelque part! Là-bas! Non, attendez! Je crois que c'est Claude! Comment va-t-on sortir d'ici? Il s'est évanoui dans l'air, bon sang! Tu as une idée de génie? Jenny? Attrapez-les! Alors où?
Reconnais-le, tu es perdu. Il y en a deux devant nous. Prends celui-là, je me charge de l'autre. Et maintenant ? Ils sont trop nombreux pour qu'on les contourne. Il va falloir qu'on agisse ensemble, qu'on les élimine discrètement. J'avais vu une femme, trois, ce verrou. Je crois qu'il n'y en a plus. La voie est libre. Et un autre groupe approche. Vous avez vu une jeune femme passer par ici ? Mais qui s'en prend à nous ? Attends, des tireurs. Je les vois. Tu auras peut-être un meilleur angle de vue sur le toit. Nous cherchons une femme. C'était les derniers. Ne traînons pas par ici. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Trouvez-les ! Va-t'en. Je vais les distraire. Fais-moi confiance. Retrouve-moi demain au café-théâtre. Je t'expliquerai tout. Tu es fou. Compte sur moi. Il se peut que je sois en retard. Votre bras, par pitié.
l'Assemblée a aboli le droit exclusif de chasse au grand gibier. Alors ? Alors ? Tu n'as pas chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père, oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je l'ai vu. Quoi ? Quand ? Où puis-je le trouver ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi ? Tu cherches à me protéger ? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Les enfants à marcher de plus en plus longtemps pour se rendre à l'école. Et beaucoup sont arrêtés lors de rafles visant les vagabonds. Et moi, tu me fais confiance ? Ceci dit, si l'on est incapable de distinguer un enfant... Je n'ai pas tellement changé, Elise. Je suis toujours le gamin qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce ? Maudit Templier. Et que fait-il ? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. 2 virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu ? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence ! Eh bien, qu'avons-nous ici ? Mon ami. Comment vas-tu ? Je m'appelle... Au nom du ciel ! Retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat ? Il le faut, et nous le ferons, Maître Kemar. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, Mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressée à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger... Qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute ? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Belek, il suffit ! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, Mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Salut, Arnaud. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patiente. Mirabeau va les raisonner. Tu penses vraiment qu'on le trouvera, après tout ce temps ? Sa chance finira par tourner. François Germain pensait que Lafrenière était... François Germain ? Oui. Où est-il ? Il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Élise ! Ce drôle, c'est... Où est-ce que tu vas ? Attends-moi ! Élise ! Autant de manières.
Pas si vite! Salut Arnaud. Qu'est-ce qui t'arrive? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Personne. En haut, c'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon, c'est probablement le même. On dirait qu'il n'y a personne. Élise ? Ne me dis rien. C'est un piège ? C'est un piège. Traître. Hey, mais regardez qui voilà. Tu es là. À quoi bon t'enfuir? On les met dans les rues. Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Dès que possible. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois? De l'autre côté de la rue. Attention! Initié, ici Bishop. Tu me reçois? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain, grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à son cadavre. Bishop terminé. Oh, je suis sûr. Enragé de moi dans les rues.
quelle mouche tu as ? Élise ? Monsieur Mirabeau ? Élise ? Élise ? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au Conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non ! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire ? Découvrir ce qui s'est passé. Un mouchoir. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique le reconnaîtra. Qu'est-ce que c'est ? C'est
L'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Hey, Arnaud. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Alors Arnaud, tout va bien? Tu donnes en tête, toi.
Bonjour, mon gars. Il a l'air de s'amuser. Jeune homme, même particulièrement hideux. C'est que j'ai d'autres livraisons à faire, moi. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. Je crois pouvoir affronter un apothicaire. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends. Bon sang, reviens ici. Arrête. Attends. Laissez-moi. Je veux seulement te poser des questions. Maudit crétin. Tu es ici chez moi et tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Ça, faut l'envoyer à Bicêtre. Je veux seulement te poser des questions. Ton immeuble. Tu sais qui sont les fauteurs de troubles. Je ne vais pas me laisser maltraiter. Il prend comme ça. Et je ne dirai rien. Fini la compagnie. Parle. Tu vas souffrir, tu m'entends? Assez. Oh, pitié! Oh, je n'ai rien dit à personne! J'ai fait ce que vous m'avez dit! Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche! Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore! Je n'ai jamais vu son visage! Oh, il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison! Je n'ai pas posé de questions! Je n'en garde qu'une petite quantité! Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit... Où déposer la seconde dose? La seconde dose? Tenez! C'est tout ce que je sais, je le jure! Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Il est pas
Quoi? Hé hey oh, bon, pourquoi toute cette fébrilité? Quel endroit charmant. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Elise. Il faut que je le fasse seule. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Va, Arnaud.
Il t'en a fallu du temps, merdeux. Belek? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non. Je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Belek, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Belek, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Tu n'es qu'un pauvre merdeux sans cervelle! Oui, c'est ce qu'on dit. Je le fais, Belek. Mais je ne pense pas. Ouvre les yeux, petit. J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Rien. Reste tué. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille. Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek. Tu ne me laisses pas le choix. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres. Attention! Alors, maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Belek, tu me remercieras un jour.
Auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merdeux. T'as fait tomber ça. Eh bien. Que sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix.